Bonsoir à tous et bienvenue dans C'est du Belge. Eh bien, je vous souhaite une excellente année 2014. Barbara, tous mes bons voeux vous accompagnent pour cette année nouvelle. C'est gentil, Gérald. Bonsoir à tous. Et oui, avant toute chose, on voulait vous souhaiter plein de bonnes choses pour 2014. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir à vous, Gérald? Écoutez-moi, beaucoup de très belles émissions, beaucoup de casseroles, de beurre, de crème, beaucoup de recettes et aussi beaucoup de C'est du Belge. Vous n'allez pas nous aider à maigrir? Pas vraiment. Alors, on va continuer en tout cas avec une belle émission lumineuse et heureuse. Regardez ce qui vous attend. Et nous débutons cette émission en souhaitant un joyeux anniversaire à Claire de Belgique. 40 ans, cela se fête, avec le portrait d'une princesse bien de son époque. Le couple Laurent et Claire est de plus en plus au rendez-vous. Son rôle de princesse, Claire, le prend fort à cœur. Ce que je remarque dans ses sorties officielles, je vais parler comme ça, c'est quelqu'un qui est proche des gens. On voit qu'elle ne joue pas un jeu, qu'elle est naturelle, qu'elle est elle-même. Et je pense que ça, c'est très agréable pour moi qui l'ai connue comme condisciple, de voir qu'en fin de compte, elle est restée comme moi je l'ai connue, très, très naturelle et elle-même, toujours avec cette classe qui la caractérisait. Bernard de Porter a déjà côtoyé la princesse, entre autres pour lui avoir dessiné et réalisé sa robe du 21 juillet 2010. Quand la princesse commande un travail, elle est très très souple, très à l'écoute, complètement ouverte aux propositions qu'on lui fait. C'est quelqu'un qui aime travailler en équipe et qui accorde vraiment volontiers sa confiance auprès d'un artiste ou d'un jeune créateur. Donc je trouve ça assez formidable, cette ouverture, ces échanges que nous avons ensemble, quoi. C'est un atout pour la monarchie. Oui, je pense. Je pense que, et on le voit dans la famille belge, je pense que la plupart des futurs monarques et des monarques, c'est ce naturel qui les caractérise et cette proximité par rapport au peuple belge. Et ça, je pense que le peuple belge le souhaite et en a besoin. Comme tous les membres de la famille royale, Claire et Laurent de Belgique ont droit à un jardin secret, celui de leur vie privée. Malgré certaines rumeurs, il semblerait que cet homme et cette femme soient très complémentaires. Il y a énormément de choses qui communiquent entre eux, parce que le prince Laurent s'y connaît énormément en mode. En même temps, je pense que quelqu'un qui a un certain goût. De ce que j'entends sur Laurent, c'est quelqu'un qui aime bien la vie, qui aime bien rire, qui aime bien profiter de la vie. Et je pense que Claire l'accompagne bien dans ce rôle.